The Bible says, la Bible nous dit, the secret is of the Lord. Les choses cachées ou secrètes sont à l'Éternel. But the revealed things are for the human. Mais celles qui sont révélées sont réservées aux fils des hommes. So the secret matters of the spirit are of the Lord. Donc les secrets de l'esprit sont donc au Seigneur. So if I desire to know the secrets of the Lord, I must be dwelling in the secret place. Si donc je désire connaître les secrets de Dieu, je dois résider dans l'endroit secret. The reason why Moses, la raison pour laquelle Moïse, saw the beginning, a vu les choses liées au commencement, received the prophetic secret, la faculté qu'il avait de recevoir les secrets prophétiques, it's because he dwelt in the secret place. C'était parce qu'il demeurait dans le lieu secret. Through prayer and fasting, à travers la prière et le jeûne, through setting himself in the lonely place, à travers le fait pour lui de se préparer et rester dans l'endroit isolé. There's a place Jesus said, il y a une place où Jésus a dit, come, let us remain alone. Venez, allons dans cet endroit désert. So that I can explain to you. Pour que je puisse alors vous expliquer. So that means secrets in the realm of the spirits are very important and delicate. Cela signifie que les secrets dans le domaine de l'esprit sont très importants et délicats. And it is the secrets that set you free. C'est le secret qui vous rend libre. It is not prayer that sets you free. Ce n'est pas la prière qui vous rend libre. It is the secret in prayer that sets you free. C'est le secret dans la prière qui vous rend libre. Job chapter 1 verse 6. Mm. One day, the angels came. So there is a day also in heaven. Il y a aussi des jours au ciel. Uh-huh. The angels came. Les anges vinrent. To present themselves before the Lord. Yes. Présenter devant l'Éternel. And Satan, uh-huh, also came with them. And also Satan came with them. In other words, to assist where? En d'autres termes, il voulait assister à quoi? The Lord said to Satan, mm-hmm, where have you come from? Where have you come from? D'où viens-tu? So in another word, Satan was living between the earth and the heaven. Et cela signifie en d'autres termes que Satan vivait entre le ciel et la terre. He was living in two places. Il était en train de vivre dans deux différentes places. The earth, la terre, and the heaven. Et le ciel. Watch this. Regardez ceci. You cannot live on the earth. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre. Unless you have a flesh. À moins que vous ayez un corps. You cannot live on the earth. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre. Unless you are a man. À moins que vous soyez un homme. When the Bible said that he turned from an angel of darkness into an angel of light. Lorsque la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière, he can change. Il peut donc se changer. So he had the capacity as Lucifer to change. Il a la capacité en tant que Lucifer de se transformer. He turned to a man. Il peut se transformer en homme. And he turned to an angel. Il peut se transformer en ange. The fallen of Satan. Cela signifie que la chute de Satan, after convincing other angels, après avoir séduit les autres anges, they believed in him. Ces anges ont cru en lui. And they took them with him. Et on les a précipités avec lui. He took them with him. Il les a donc pris avec lui. Because they listened to him. Parce qu'ils avaient entendu à Lucifer. So in another word, he had a knowledge that they did not have. En d'autres termes, Lucifer possédait une connaissance que eux n'avaient pas. He had a wisdom that they did not have. Il avait une sagesse que eux n'avaient pas. Because he stole it from their heart. Parce qu'il les avait, il avait dérobé cela de leur cœur. And he convinced them. Et il les avait convaincus that this God is bad. Que ce Dieu est mauvais. They had to believe. Et ils devraient croire. Because they were empty. Parce qu'ils étaient vides. In their heart. Dans leur cœur. That's why the lack of the word. Voilà pourquoi le manque de la parole. Is a temptation for Satan to manipulate you. C'est une ouverture pour que Satan vous manipule. No prayer. You can pray, but if you don't have the word, he will manipulate you. Vous pouvez prier, mais tant que vous n'avez pas la parole, il va vous manipuler. They perish for lack of knowledge. Le manque de connaissance emmène la mort. And he took them where? Et il leur emmène où? Sur la terre.
They did not fly to come down. They failed. So ils n'ont pas volé pour venir. On les a précipités quand ils sont tombés. When you fall, make sure things will break. Lorsque tu tombes, certainement les choses vont se briser autour. And they failed millions of millions et of angels. Et ils étaient des millions et des millions des milliards. And the Bible called his angels. So in another word, they were his angels. Et la Bible les appelle ses anges. En d'autres termes, ils étaient ses anges. So when they failed, lorsqu'ils sont tombés. Imagine the scandal that was happening on the earth. Imaginez big beings, greater beings were falling on the ground. Qui s'était roulé sur la terre. Mountains were falling. Cities were breaking. Des villes because brisées. Big beings were falling down. Parce que des êtres énormes tombaient. And when it fell out of anger, et lorsqu'il est tombé avec une grande colère, the Bible says even the sun and the moon disappeared. La Bible dit que même le soleil et la lune ont disparu. There was no more light. Il n'y avait plus de because lumière. Because he turned to become the angel of darkness. Parce qu'il s'est transformé en ange des ténèbres. So he brought darkness on the earth. Et il a emmené les ténèbres sur la terre. That's what the Bible says in chapter 1, Genesis verse 1. Voilà pourquoi verse la Bible dit au Genèse 1. There was darkness over the earth. Je m'éteignais. And there was voidness and emptiness because that's where Satan operates. Il y avait la terre était en forme vide parce que c'est là que causes emptiness and voidness. He steals so that you can remain void and empty within you. Il avait causé l'informe et le vide pour que les gens restent informes et vides. That's what he does. C'est ce qu'il fait. He causes a serious voidness on the earth. Et il produit le vide sur la terre. And it pained God. Et cela fait de la peine à Dieu. God went quiet for a time. Dieu a gardé silence pendant un temps. Looking at his earth. En train de regarder sa création, la terre. But that did not stop him. Et cela ne l'avait pas arrêté. He came again. Il a encore. And he said, I'll restore my nation. Il a dit, je restaurerai encore. I'll restore again the world. Je restaurerai encore la and terre. This time I'm going to create men, not on their own likeness, but in my likeness and my image. Alors je vais créer l'homme, non pas sa propre ressemblance, mais ma ressemblance à mon image. That's why he said, "Let there be light." Voilà pourquoi il a dit qu'il y ait la lumière. That was already the neutralizing the powers of darkness. C'était déjà le fait de neutraliser le pouvoir des ténèbres. Before me to start anything, let Jesus first enter. Avant que je ne commence quoi que ce soit, que Jésus entre d'abord. Because it's the right image that I will build man in his likeness. Vers laquelle je vais créer l'homme à sa ressemblance. Because Jesus is the resemblance of the Trinity. Parce que Jésus est la ressemblance, l'image visible de la Trinité. He is the image of the Father and the Holy Spirit. Du Père et du Saint-Esprit. So we were created in the image of the Son. Donc nous avons été créés à l'image du Fils. We were created in the image of the Son. Nous avons été créés à l'image du Fils. That's why when the time came for someone to die for the humankind. Voilà pourquoi quand il arrive le moment de mourir pour les êtres humains. God the Father did not die. Yes. The Holy Spirit did not die. Yes. The only person that was equivalent. Pas to die for mankind, it was Jesus. Et la seule personne qui est mort the pour Son. Les êtres humains, c'était le Fils because Jésus. We were made in his likeness. Parce que nous avons été créés. So before anything to start, avant que quoi que ce soit ne démarre, Jesus was there. Jésus était là. That's what the Bible says. All things were created for him and in him. Voilà, la Bible dit toutes choses ont été créées en lui et pour lui. He was the central masterpiece for everything on the earth. Il a été la pièce maîtresse de toutes choses sur terre. The embodiment. Il est l'incarnation. So before God to create again, because he donc said, avant que Dieu ne crée, before me to create this, il a dit avant que je ne crée ceci. You remember the scandal that happened on the earth. Vous pouvez encore vous rappeler du scandale qui s'est produit sur isn't la terre, it? Les anges yes. Déchus. I'm about again to create a man. Je vais maintenant créer un homme. Is it going to be in my likeness? Il va être and in my image. Mon alter ego. No longer in their own image. Mon image. Il n'aura pas sa propre image, mais mon image. And when the Bible says he called letters, that means he called alors, the angel, the sons crayon, of God to come together. Anges, and including Satan also had access. Inclus Satan. Satan was there. Satan également était là. He was present. Il était présent. He was accessing the counsel of the Lord. Il avait accédé au conseil de Dieu. If he was not there, s'il then he was là, never going to find about Garden of Eden. Il n'allait pas découvrir au sujet du jardin d'Éden. He had, il a entendu, and he preceded. Et il a a principality, une principauté, is not a demon. N'est pas un démon. And a demon, et le démon, is not a principality. N'est pas une principauté. I'm going to prove to you. J'aimerais vous le prouver. A principality is not castable. Une principauté ne peut être chassée. But a principality is dominated. Une principauté est plutôt dominable. But demons are castable. Mais les démons sont chassables. Who are the principalities?
Qui sont donc les principautés? The principalities. Les principautés. Are the fallen angels. Ce sont les anges déchus. Who are the demons? Qui sont les démons? The Bible says. La Bible dit. The Nephilim. Les Nephilim. Were born. Étaient nés. In an association. De l'union. Of men. De l'homme. And the fallen angels. Et des anges déchus. Nephilim. Les Nephilim. They were controlling the earth, isn't it? Ils étaient en train de contrôler le monde, n'est-ce pas? And the Bible says a great violence. Et la Bible dit qu'il y avait une grande violence. And a serious wickedness entered the world. Et il y avait une méchanceté comme pas possible dans le monde. Like never seen before. Comme une méchanceté qui n'a jamais été vue avant. Are we together? So it came not through men. Cela est arrivé non pas à travers l'homme. But it came through the association. Mais cela est arrivé à travers of the l'union seed of man, de la semence de l'homme. And the fallen angels. Et des anges déchus. And when God made the commands and the decree, et lorsque Dieu avait donné that I am going to destroy the mankind, et qu'il a dit que je détruirai les êtres humains, he didn't mean, il ne pensait pas dire, about the right man that he created in his own likeness. So he meant about the seed that was born of the fallen angel. Il ne faisait pas allusion à l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, mais à la ne peut pas tuer. He can only destroy that which is a different seed. Il ne peut que détruire ce qui est issu d'une postérité. That's why even when he's coming again to throw judgment in the end of the world, he's coming for the seed of Lucifer. Lorsqu'il vient exercer ses jugements à la fin du monde, il viendra pour détruire not la us, semence du diable, pas nous, and the seed mais of la Abraham. Semence du diable. Nous, no. Nous sommes la semence d'Abraham. When they were born, lorsqu'ils étaient nés, the Bible said they were giants. La Bible dit que c'était des géants. Giant born. Des géants. Born of man. Nés des hommes. The daughters of men, right? Les filles des hommes. With the fallen angel. Are we together? Des anges déchus, n'est-ce pas? Then something took place. Alors quelque chose s'est produit. When God said, "I'm going to destroy mankind." Lorsque Dieu a dit que je détruirai les I said earlier that He was going to destroy the seed that were born of the fallen angel and donc, il allait détruire la semence daughters of men. Des filles des hommes et des but anges for déchus. The people of God, they were not supposed to be touched. Mais pour le peuple de Dieu, ils ne devaient pas être touchés. That's why the Bible says God spoke to Noah. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a parlé this à Noé. This is the right seed that came from the side of Adam and Eve. Ça c'était la postérité exacte qui était issue d'Adam et Ève. And the seed that were born of Naphtali. Et la semence qui était née came through the seed of Cain. Qui était née à travers la semence de Caïn. The seed that was spared from the deluge of Noah, it was the seed that came through Adam and Eve, yes, which is Noah. La postérité and his qui avait été épargnée, yes, du déluge. That was la the right seed. That God built the one seed. But the seed that God was destroying, it was the seed that came through Cain. Mais la semence que Dieu avait détruite était la semence qui était issue because de Caïn. Because it was through the sons, the daughters of Cain that he bared in his city, that the fallen angels slept with the daughters parce of Cain. Parce que c'était au travers des filles issues de. Yes, est-ce que nous so the Nephilim, they were born out of the seed of Cain. Donc les Néphilim sont nés au travers de la semence de Caïn. Because he was cursed. Parce que Caïn était maudit. God said, "Let me destroy these people." Dieu a dit, laissez-moi détruire ces hommes. Seed of Adam. La semence d'Adam. Come, I give you knowledge. Build viens, je te donne la connaissance. Build an ark. Construis-toi une dwell arche. Ark. Entrez dans l'arche. And this shall pass away. Those giants. Ces géants. When they were born. Lorsqu'ils étaient nés. They were already condemned. Ils étaient déjà condamnés. So if they die. Donc s'ils devaient mourir. Which it was impossible for them to die. Ce qui était impossible pour eux de mourir. They could have lived for many years. Ils pourraient même vivre des even années, today, des années jusqu'à aujourd'hui. Because they were born of eternity angels. Parce qu'ils sont nés de ce qui était éternel. They were not supposed to die. Donc ils n'étaient pas supposés connaître la mort. And this is what God stopped Adam from eating the fruit of eternity voilà while he's in a fallen status. Dieu avait arrêté Adam pour qu'il ne mange because pas le fruit de l'arbre de la vie. Because he was going to stay like that forever. Parce qu'il allait rester dans and cet they état going pour to be et il n'aurait jamais pu that's why the cherubim they had to come and stop him. Voilà pourquoi les chérubins devaient venir from pour the le tree stopper of eternity in a de fallen status. L'arbre de vie. So God had to wait for men to arise through Jesus and to give now eternity, so he Dieu can receive eternity in a rising status. Jésus pour qu'il leur donne l'éternité, pour qu'ils puissent entrer dans un statut différent. But with the Naphtali. Mais avec les Nephilim, they ate the fruits of eternity through being bathed by the fallen angels. Ils ont mangé le fruit de l'éternité dans les anges déchus. Ils n'allaient pas with such wickedness. Avec cette méchanceté. How will we survive today? Si ils étaient là jusqu'à aujourd'hui, comment allions-nous survivre? It would be too difficult. Too difficult. Yes. Ça aurait été difficile. So God thought for one thing. Yep.
clear Let us clear them. Wipe them out. Voilà pourquoi Dieu a dit. How? Débarrassons-nous de. Comment? Through water. Encore à travers l'eau. Ah. Genesis chapter 1. Nous allons dans Genèse chapitre 1. Genesis chapter 6. Chapitre 6. Chapter 1. Genèse au chapitre chapter 1. 6. Genèse au chapitre 6. There was water everywhere. Il y avait de l'eau, il y a de l'eau partout. The earth was empty and void. La terre était informe et vide. That was the way God terminated the men that were there before. C'était la façon que Dieu avait choisi pour exterminer les hommes qui étaient là avant. The angels. Les anges. And here also, he has to terminate the angel of seeds aussi, of angels. Il devait également exterminer la semence well. des anges à travers l'eau aussi.